Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Starfield. Alors, premièrement, gorgée de café. Ensuite, ceci étant fait, à noter, il faudra retourner là-bas car effectivement, ce qui me paraissait étrange, c'est que cet énorme point sur la carte présentait si peu de choses. J'ai raté quelque chose et il y a un second niveau caché là-dedans. Donc soit très bien. Là on va se faire la structure, la grotte qu'on voit au fond. Et ça part. D'ailleurs oui, il n'y a pas de... Ouh. C'est nickel. Ah oui, il y avait des petits calovores qui se baladaient. Ouh. Bonjour. J'ai vraiment raté ça, avec un calibre 12. Dégueulasse, hein. Mais... Voilà. Tototolo. Allez-y, il me faut du tissu, faut nourrir, hein. Faut nourrir le peuple. Putain, j'étais dégoûté, je pouvais plus faire d'eau. Uniquement parce que... Oh, il y a une réserve d'eau, là. Ok, oui. Je croyais que l'eau n'était que sous forme liquide. Bon. 20 points d'XP de découverte, ça fait toujours plaisir. Bon, des outils, rien de bien méchant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette benne? Cette bénouse, il n'y a rien. Wow. Ah, le nouveau jetpack quand même. J'ai gardé le nouveau jetpack légendaire machin blabla. Ah, c'est du vol. Ah, on est chez quelqu'un ici. Oh. Est-ce que c'est comme chez le camp de mineurs où on est chez quelqu'un, mais en fait on n'est plus vraiment chez quelqu'un? Allons-y, on va voir. Bonjour. Hello. Salut l'ami. Eh, vous voulez gagner quelques crédits? Bah bien sûr. On est tous venus ici après avoir entendu parler d'un énorme gisement de minéraux. Mais c'était juste une rumeur. Maintenant, on est coincé ici pour des mois. Il faut qu'on retourne en ville et qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Vous pourriez nous ramener? Ouais. Génial, on se retrouve à bord. Nouvelle mission. Bon, on va lever un doute, hein. Cool. Bah, et c'est plein de missions, cette ville. Cette planète. Je refais tout. Ramener de bonnes nouvelles. Ouais, bah, je ramène des bonnes nouvelles. Hein. Par contre, vous êtes combien, là, à ramener comme ça? Après, moi, ça me permet de dépouiller vos coffres. Je suis d'accord avec à peu près tout. Je vais faire comme si vous n'aviez rien volé. J'ai rien volé, wesh. De toute façon, ils vont le laisser ici. Ça, c'est quoi? C'est la suite. Ça va dehors. Bon, bah, on est ressorti. C'était bien, hein. C'était... Waouh. Allez, on va vers la grotte. Ouais, si j'ai gardé ce nouveau sac, c'est que statistiquement, il est évidemment moins bien que mon Mark 1. Mais... mais il a le mérite. Il a le mérite de réduire les consommations d'oxygène, tout ça, donc je l'ai gardé. Oula. D'atterrissage, vite. Il
Ah, du coup, on peut bien courir, hein. C'est pas mal, hein. On sent qu'on arrive sur le bout du monde, hein, quand même. Hein. Là, il n'y a plus de bestioles. Hein. De l'ur. Ah, bah, je dis ça, il y a des bestioles qui arrivent. Ben c'est loin, hein. Et après faut que je retourne à ma grotte, hein. Non, on n'est pas arrivé. Y a des bestioles là derrière, non? Ouais, il y a des bestioles. Ouais, ouais. Ah, il y a des niveaux 10 quand même, hein. Hey, je fais que passer, wesh. C'est bon, tu vas agresser sur ce coup-là. Nous y sommes. Ouh, soufflons un coup. Mais il y a un site d'atterrissage à côté. Ça suffit. Ok, c'est juste un colon. Bonjour. Merde, du coup je l'ai pas vu se poser l'autre débile. Ah mince, j'ai loupé un site d'atterrissage. C'est quand même un peu dommage. Et t'as rien d'autre à déclarer? N'a rien d'autre à déclarer. Pour rentrer dedans, c'est autorisé? Ah, si on rentre dedans c'est interdit. Ok. J'ai couru tout ça pour rien. Oui, quoi? Bah, je sais pas, bonjour, par exemple. Bon sang. Heureusement que vous êtes là. Notre vaisseau est mal en point, on a pu atterrir, mais on a besoin de réparation. Vous auriez pas des pièces de rechange par hasard? On pourrait sûrement bricoler un truc nous-mêmes. Mm-hmm. Ah, ça va faire mal. Mais on peut pas dépenser de crédit en étant mort. Tenez. Ça me fait plaisir. Heureusement que je me balade avec des pièces de vaisseau comme ça sur moi. Petit côté pratique. Hein. De l'argon, ok. Du coup, je suis hyper loin de la grotte, quoi. Pff, wow. Bon, c'était pour 3000 balles. Hein. 3000 balles facilement gagnées. Troupeau là. Ouf, c'est âcre comme odeur. Ouais, ouais, ou un peu âpre, on sait pas exactement.
C'est pas ouf, quoi. Bon. Moi, je veux aller vers ma grotte. Du coup, ma grotte... bah oui, c'est plus par là-bas. Ok, je la vois sur mon radar. C'est ok. Faisons le plein de ressources, parce qu'il est vrai que j'en ai vendu beaucoup pour faire un billet, là. J'en ai vendu un petit paquet, donc on va se recharger un peu. Mais Altair 2, planète sympa, hein. J'aime beaucoup, hein. Un petit ciel. Ah, de l'ur. Impeccable, j'en ai vendu plein. Je sais pas si c'est un caillou que je vois ou c'est un cadavre, je sais pas trop. C'est quoi? C'est de l'ur, parfait. Massacre le beau matin. Ça fait de l'XP tout ça, hein. Et des ressources en voiture, voilà aussi. Premier fabricant de drogue. Ok. Ok, allons-y. Par ici. Il n'y a rien d'autre à découvrir dans le cours. Ah, j'ai pris l'eau de 12. Ah, je suis tout en 12 là. Ah oui. Voilà, merci. Oh, le lever de soleil extrêmement efficace. Hein. Les jours défilent. Hein. J'y vais parce que vraiment j'ai tout vendu. Hein. Je savais combien tournerait, donc j'ai vraiment tout vendu comme un gros sourd. Ça a l'air de rien, mais ça fait un bon billet, hein, quand vous en vendez, quand vous en vendez 50 ressources. Tac tac tac. Et à un moment donné, il va falloir que je retourne au vaisseau aussi. Est-ce que j'ai choisi. Hop. J'ai choisi de dépenser du coup mon point temporairement, hein, le temps qu'on en vienne à détruire 5 vaisseaux, parce que je me dis que c'est quand même pas tout de suite, pour améliorer mes compétences de pilote futur. J'ai opté pour augmenter ma cuisine, parce que du coup on est passé au max, évidemment. Plein de bestioles, ouais, faudrait qu'on embrouille tout ça, hein.
t'esquives ou c'est moi qui tire à côté? Tu le... Bon, c'est bien gentil tout ça, mais... Où tu tires, là? J'espère qu'on s'en servira avant que ça pue vraiment trop. Un peu en hauteur, il y a d'autres sacs d'œufs qui traînent par terre normalement. Quoi ça? Non, ça c'est de l'eau. Voilà. Tac tac tac. C'est pour cuisiner. Hein. La cuisine c'est vachement important. Et ensuite c'est là-bas. Oh, une luise de cache. Bah voilà. Au niveau 20 en plus, ça c'est canon là. Viens ici toi. Je sens que t'es mort ici. Chercher ta copine. 40 XP, allez. Allez, ça sort. On va les massacrer. Leur petit troupeau, bien sûr. Let's go. Hop. Donc à la grosse, impeccable. Hop là, let's go, c'est parti. Ah, café. C'est le moment de mettre la main sur des métaux rares, bien sûr. Ah. Ouais, elle est jolie ta grotte, hein, avec ses grands cristaux verts. Encore une fois, heureusement qu'il n'y a pas le prédateur ici. Hein. On est quand même bien content. Ceci est un tas de caca. Parzel. C'était grave bien. Attends, il y a cette partie là quand même. Ah non, c'est la sortie déjà. Attends, on est pas. Si, ici, hein. Ah non, ici on arrive, on voit au-dessus. Y'a rien d'autre à récupérer. T'es vraiment toute petite. Hein. Moi c'était bien. C'était méga bien. C'était méga bien. Bon bah écoute, c'est dur ça. Ça c'est dur. Je récupère un peu de dur. Même si je sais que c'est très dur pour moi. Ok, on va se TP. Vas-y, on va récupérer un peu de benzène. Téléportons-nous. Ce qui nous intéresse donc, c'est de revenir à ce campement-là. Où on a oublié des choses. Ce qui nous laisse le temps de boire un café. Bien sûr, très important. J'ai loupé quelque chose, alors par contre je vois pas trop ce que j'ai loupé. Hein. Je vous cache pas que j'ai fait la tour, techniquement j'ai fait tous les blocos. Donc à moins que j'ai raté une porte dérobée quelque part. Ah, il y a un truc que dont j'ai oublié aussi de vous parler. Assez important pour le coup. C'était dans la petite base avancée. Alors, c'était... hop. C'était...
Pas le campement de mineurs, le poste de ravitaillement. Dans le poste de ravitaillement, vous avez une petite merveille qui traîne sous un lit. Vous avez, je vais vous le ressortir. Je crois que c'est des tests, des textes hérétiques, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça que je cherche, donc j'ai dû le ranger ailleurs. J'ai des trucs volés ? Quoi ? J'ai pas ça. En plus, ça va nous alléger. J'ai pas de ressources volées, c'est bon. On est propre. Ok. Soit on est propre. Voilà, je vérifie parce que. Je suis capable de me retrouver avec des trucs volés, quoi. Tac, 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 tac. Donc, je sais plus. Bref, c'était sous un lit. Et c'est globalement l'élément qui valait le plus cher. Vous avez également un grunt ou je sais pas quoi, vous avez un magazine qui traîne, ça. Je compte sur vous comme des grands pour le trouver tout seul, hein. Vous avez pas besoin de moi. Tous les gens d'ici se soient fait tuer lors d'un conflit. Moi cet endroit bien vous l'explorer à 100%, mais il voudrait bien qu'il faudrait qu'il veuille que j'explore à 100% aussi. Genre est-ce que t'as une entrée quelque part là? Est-ce que t'as une entrée quelque part? J'aurais pas vu. Ça m'a pas l'air. Est-ce que par hasard j'ai oublié de faire ce bâtiment? Et que Hein. Ou est-ce que par hasard ceci est l'entrée de la suite de l'événement précédent? Ah, il ressemble un peu, je crois. Je suis certaine qu'on peut réutiliser quelque chose. Ah, mais moi aussi, je suis certain. Je change juste de là, parce que avant qu'on sorte par un autre endroit ou quoi que ce soit. Les soldats qui étaient là ont dû sacrément en baver. Je voudrais juste vérifier que j'ai bien détroussé ce lieu. Il n'a pas l'air d'être... voilà. Ce qui, en fait, c'est bien la cabane que j'avais oubliée. Bon, bah écoutez, on va se faire la cabane que j'avais oubliée. Le petit cabanon. Ah, je pensais que c'était un alignure que je pouvais pas récupérer. Ça y est, j'étais en train de me vexer. Une comète, des trucs. Des trucs, des machins, ok. Cet ordinateur. Entrée numéro 1 de Derek Jacobson, superviseur du site de test d'armes. Ok, 15 mars 2303. Le site me semble parfait. Faune docile, température décente, météo pas mauvaise. Ne pas avoir à enfiler 15 couches le matin est déjà une bénédiction. Je crois qu'on va se plaire ici, mon équipe et moi. Entrée 2. Je crois qu'on est prêt, les tests commencent à 7h, ça va faire du bruit par ici. Les tests se déroulent très bien ces derniers jours, pas d'incident pour le moment, ce qui fait une sacrée différence avec notre dernier site. Par contre, il y a quelque chose d'étrange. C'est peut-être mon imagination, mais on dirait que la flore environnante pousse à une vitesse supérieure depuis 2 jours. Ah. Est-ce que, grand fou, t'aurais pas provoqué un effet de réchauffement climatique à un endroit cible et que tu t'es découvert que les fongiques c'était pas forcément tes meilleurs amis? Alors, Okwazu. Ouais, ok. Le dernier calepin là. Oh, incroyable. Gagner un calepin les gars. T'as un mot à dire? On l'a buté. Enfin, elle a commencé à lui tirer dessus. Le gars il avait rien demandé. Hein.
Ils sont pas très pro combat, les gars. Ils sont étonnamment très dociles. Oh, des gobelets, hein. Des gobelets, hein. On sait très bien que nous, finalement, on n'est pas venu. On n'est pas venu pour savoir ce qui s'est passé ici, hein. Nous, on est venu pour récupérer les gobelets, évidemment. Le reste. J'ai envie de dire, tout ceci ne nous regarde pas. Hein. On n'est pas concerné. Hein. Voilà. Le ménageur, hein, bien sûr, hein, le ménageur. Hein. Heureusement qu'on m'a pas fourni un balai pour faire le nettoyage dans le jeu. Hein, parce que croyez-moi bien. Croyez-moi bien. Croyez-moi bien, bâton. Tablette de Cromwell. J'avais bien dit que Jacobson qu'il fallait qu'on foute le camp d'ici au bout du deuxième jour de test d'armes. J'avais compris qu'on n'était pas les bienvenus. Il s'attendait à quoi au juste? Maintenant, Jesse et moi, on peut plus sortir d'ici et Owens. On survivra pas un jour de plus sans air. J'espère que certains ont réussi à s'échapper. D'accord. Je crois d'ailleurs que tu n'es pas le seul document que j'ai récupéré. Je crois que j'en ai ramassé un autre par terre. Ça va être un audio peut-être, puisqu'il ne s'est pas lancé. Tac, tac. Ok. On ramasse du bordel. C'est important. Ah oui, du coup, j'ai pu récupérer aussi le gros vaisseau de l'avant-poste de Lucé. Du coup, j'ai trois vaisseaux maintenant officiels. Très mignon, c'est très cool. C'est peut-être un détail pour moi, mais peut-être que pour vous ça veut dire beaucoup. Ça veut dire. Alors j'ai l'impression de rien voir, mais je sais que des fois le spotlight, hein, on voit vraiment rien, d'accord. Je faisais le test, hein, vite fait, hein, mais non, visiblement. Guérison, empoisonnement. Je ne suis plus empoisonné. Bon, je m'étais peut-être un peu intoxiqué au benzène. Il est chaud. Hop, là, ça c'est pour moi. Ok. PQ. Des bouteilles. Ah. Deuxième activité, hein. Le savon, le PQ, hein, bien sûr. Hein. Tout ça, faut que ça reste propre. Hein. Bon, bah, c'est formidable. Je suis très content pour eux. Hein. Très bonne journée à vous. Bon, il n'y a pas plus ici. Hein. J'ai pas récupéré un autre journal, non? Dans les notes, avant-poste, la comète, la preuve et Cromwell. Non, j'en avais pas d'autres. Ok, très bien. Juste pour être sûr, cette fois-ci on a vu 100% de ton site. Allez, cette fois-ci 100% du site a été visité, bien sûr. Impeccable. On sait qu'on a encore d'autres sites à repérer. Dans les environs, quoi. On est un peu loin. Donc on va. Certainement un lieu abandonné par des militaires. Oui, sans aucun doute. Mais... Toujours les militaires, des militaires et encore des militaires. En lieu sûr, sur mineurs et minérologie et co. D'accord. Bon, là, faudra extraire des gens du site. Comment ça, il y a une table ici. Ça fait à la tronche. Dommage. J'ai pas l'habitude de les voir, ces petits machins. Hop. Oh. L'huile de chasse en plus. On est bien. Alors la plus proche, c'est quoi? Structure. Ça a l'air d'être la structure, le reste je le vois pas. La chance est de voir quelque chose par là. Ça m'a l'air beaucoup plus loin. Oh, la chute a été. Ouais, bah la chute a fait mal. Ça a l'air d'être plus loin, mais j'ai envie d'aller par là parce que ça a l'air d'être le bout du monde et que peut-être à part une grotte, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus, quoi. Ah oui, ce qui est bien avec ce jetpack aussi, c'est que je régène ma life. Ça, c'est quand même cool. Crit! Bon, je vais laisser crier quelques cartouches, hein. Ah, du coup, j'ai pas d'XP? Non, c'est dégueu ça. Je me suis fait douillager mon pex. Ça, y a rien à récupérer. Non.
toutes les boîtes. Économisation de la cartouche. Toi là. Ou toi le centre est mort. Je vais pas récupérer tout ça. De l'argot. Très bien. Ça aussi c'est de l'argot. Avec de l'ur par ici. Ok. Oh, 1000 mètres à courir comme ça, c'est insup. Vraiment. Alors, ça va que moi j'aime bien ramasser tout ce que je traîne, mais vraiment, même moi, hein, je trouve ça mais si chiant. Charge pour cracher autant mes poumons. Non, non, de 8, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez m'engrainer là? Cet auto-origène et cet oxygène supplémentaire est vraiment très très bien. Faut lui reconnaître ça. Oh non! Oh non, il y en a deux là-bas et il y a l'XP qui se barre! Je sais même pas si. 1, 2, ramenez-vous. Est-ce qu'elles viennent? Ouais, ça a l'air, hein. On va les remotiver un peu. Ouh, le crit. C'est bien, tu tires dessus très loin, ça vient te chercher quand même, c'est cool. Là-bas, une grotte par ici. T'as l'air encore des trucs, hein. Paquet de trucs, hein. Est-ce que j'irai pas d'abord à la grotte qui a l'air d'être le bout du monde? Et si c'est pas le bout du monde, s'il y a encore des trucs derrière? Bon, allez, vas-y, on va se faire une grotte. En plus, c'est bien pour le titre, hein. Ça permet de mettre grotte tout court avec un S. On est très content. On gagne de la place dans les titres YouTube. Il y en a un peu besoin. Hein. Cette fouillée que vous transportez vous ralentit sérieusement. Ah, ça veut dire surcharge officielle. On fera un transfert. Monsieur, madame. Oh putain, il y en a encore. Repère naturel, là, ah, ça se finit jamais. Au secours.
signe de vie. L'exploration pourtant est intéressante, hein, mais vraiment le fait que tu sois obligé de marcher à travers toute une planète des fois pendant mais des heures et des heures, pff, vraiment... Allô, ça va pas sauter? Jetpack s'il te plaît. Ah oui d'accord, il ne veut pas quoi, c'est non. Attends, c'est Sarah qui se barre de l'autre côté là comme ça? Oh bien joué ma fille. Merci, merci d'avoir trouvé une solution. Parce que tu n'as pas de jetpack évidemment. Tu n'as pas passé ton permis jetpack hein. C'est ce pilier là. Une bestiole, c'est un machin, c'est quoi? C'est un arbre mexicain. Un cactus quoi. Il est un peu chelou ton cactus quand même. Hein. Devant. Les zoologues du Tams. Oh, vous étiez vraiment paumé, hein. J'ai vu un autre truc par là. Hein, ah. Votre tas de bordel. Un œuf étrange. Je passe ma vie en récupérer, hein. Je suis sûr qu'à ce stade, il y a que moi qui ne sais pas ce que c'est. Ils ont rien à déclarer, mais les scientifiques du TAMS, ils avaient rien, pas un journal, rien, genre vraiment. Bon. Ouais, ils sont juste morts. Mais hé, ils ont fait ça super bien. Avec leur lumière bionaturelle. Ah non, ça c'est du benzène, ça se récupère comme ça. En plus c'est bien, c'est du benzène non toxique, alors ça, ça fait plaisir. Oh, j'ai perdu l'appétit d'un coup. Et pourquoi c'est super méga bon? Tu fais d'argent. Voilà, voilà, ça c'est fait. Est-ce que remonter est vraiment une bonne idée? Étant donné que c'est juste à côté, la réponse est oui. Ah bonjour!
Super TPNJ, hein. Là c'était censé être vraiment un sale moment d'un sale bail et en fait ça s'est très bien passé. Problème de faire des grosses bestioles dans des endroits étriqués. Ok. C'est bien par là qu'il faut aller, ouais. 270, on est bon. Oh vas-y, on va signer ton troupeau, hein. On est là pour l'XP. Cette flore étrange, mais alors ça pareil, c'est vraiment un truc du jeu, j'arrive pas à me l'expliquer. Hein. Ça, on devrait pouvoir le scanner, genre pas juste passer à côté en se disant tiens c'est marrant, il y en a que dans cette région. Non? Normal? Ok. D'accord. Il est bon, le juste inexploré. Avec une luise cage qui sautille. Parce qu'elle est fou. Mais elle le fait. Hein. Alors d'être foutu, Mathieu. Toi, par contre, t'es solide, hein. On va laisser le feu te tuer, non? Tout ça pour 15 XP. Hein. Tire au calibre 12 à cette distance, faut dire que c'est quand même pas du génie non plus. Ok. Des éléments zoologiques. Hein ? Intéressant, somme toute. Ah, il y en avait par contre du bordel là-dedans. Ferme ta gueule! T'as rien demandé ici, on bosse hein! Laisse travailler tranquillement! La manette là où là? C'est quoi ça? C'est. C'est un prank, c'est ça? C'est un prank à l'huiscage? Prank de l'huiscage? Que les Lucicas sont les descendants d'une race extraterrestre qui était capable de voyager par des cristaux autopropulsés d'antigravité, ou au contraire même, de gravité inversée. Oh. Voilà. Un dense réseau de racines, de fibres et d'autres structures biotiques forment un amas riche en nutriments relié à d'autres amas par des canaux. C'est marrant ça? C'est rigolo. Je lui l'ai dit, c'est rigolo. Bah oui. Eh bien, allons-y, allons à ce signe de vie. Moi, je suis pour. Ah oui, il fallait que je répartisse ma surcharge avec Sarah, au passage. Ouais. On va falloir qu'on se fasse ça. Oh bah, attends. Il y a Louise. Hé, Louise! C'était de l'ur? Ah non. C'est un truc que je voyais à travers. C'était point de l'ur. Non, mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui filer directement ce qui pèse très lourd là sur moi, c'est toutes les ressources. Hein. Prochain arrêt. Là, voyons ce que vous avez. J'ai du café. Mon inventaire. Hop! Oui, bah non, oui, les ressources. Hein.
stocker toutes les ressources. Voilà. Capacité du conteneur est au maximum. Oh, je suis sûr que tu peux encore prendre un petit tissu ou deux, non? Oh. Une autre fois, peut-être. Oui, 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 à l'occasion. Hein. D'aller le voir, mais je sais que ça servira à rien. Enfin, je pense que ça ne servira à rien. Je suis à peu près convaincu de cet état de fait, mais on va aller voir ce caillou qui brille. Oula, attention à l'atterrissage. Ouf. Ça s'est bien passé. Ouh, ouh, ouh. On peut pas le scanner, on peut pas le tailler, on peut rien en faire de ce truc. Ah, pourtant, des cailloux bioluminescents. Ah, ok, j'envoie un autre par là. Je pense que notre signe de vie va ressembler à un gros caillou vert qui brille. Ou un ensemble de gros cailloux verts qui brillent. Faut voir. C'est dur. C'est dur. Tant mieux. Vous avez vu comment j'ai ignoré l'XP, hein? C'est tentant, hein. Oh, c'est trop tentant. Non, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est dur d'ignorer l'XP comme ça. Massacre! Un autre ? Ah, où ça ? Il est où le dernier petit marrant là ? Oh, j'aime vider mon chargeur comme un gros sac. Ça me rappelle que je suis texan. Petit filleux de texan. On va quand même se faire une petite sauvegarde rapide, hein. On sait jamais. On sait jamais que le jeu débug et d'un seul coup me fout 4 whiskages de niveau 20 sur la figure. Ouais, c'est ça, des cailloux qui brillent, hein, c'est bien ce que je me disais. Ah, faut pas rentrer par là. Faut rentrer par là. Okay, on peut circuler comme ça. Ok. Je peux pas le scanner. Il y a un truc que je peux scanner quand même, parce que là, il est en train de me dire techniquement. Un épais nuage de spore dépose un résidu psychotrope sur les plantes et les roches. Cool. Je suis en pleine défonce, man. Ok, ok. Ah, il... Wiz ! Reviens ici. Ici, Wiz ! Wiz ! Bon, c'était... Cette Wiz valait 15 XP. Hein. Bon, t'allais manger du plomb, ma fille. Je peux pas le scanner. C'est marrant ça. Alors, est-ce que c'est ce gros tas de boost qui produit des... ah mais c'est celle que j'ai buté. Des sacs d'œufs ou c'est les... Et ou inversement, parce que les deux sont possibles, les deux théories s'additionnent. Ou les sacs d'œufs viennent déposer pour nourrir ce gros tas de caca. Possible, hein. Je suis censé pouvoir te scanner gros tas de caca, non? Pas d'excrément, non. Je veux bien qu'on me dise non, mais... Argon, d'accord, ok, ouais, super. Ouais. Bah, je pense que j'étais au cœur du concept, hein, mais... On va retourner ici, hein. Moi, le cœur du concept, il est là.
ou le gros tas de caca, tu choisis, mais c'est un des deux. Il y a rien à scanner, genre juste j'arrive sur place et je le trouve. Ok. J'ai trouvé le bosquet. Voilà. C'était bien. Bon, ma mène. Bon, on retourne ici. Là-bas, les montagnes de la fin du bordure du monde. De l'ur. Et bah du coup, nous on va par là. Hein. Allons-y, allons-y. Il nous reste plus qu'une une étrangeté à trouver et on sera bien. Et par contre, en termes de flore, on est toujours à 0 sur 4. Hein. C'est vraiment conceptuel. Même galoper l'XP, vous avez vu. Oh, par contre, celle-là. Hein. Celle-là, je la prends. Celle-là, je la prends. Elle est pour moi. Ça, c'est 40 XP. Hein. Oh, toi aussi, je te prends. Hein. Deux coups de savate. Hein. Voilà. Un XP, deux coups de savate. Et moult ressources. Oh, l'hostilité de cette créature! Il y a même de l'argon dedans, non mais elle refait, hein. Elle me refait. Faudra que je trouve un poste de cuisine à un moment donné, par contre. Oh, elle fait sa petite sieste. Boum! Écoutez, on va quand même... Dire à un moment donné quand c'est grave pour se servir, quoi. T'invite à te servir. Quand même, tu peux pas refuser non plus. Oui, t'es trop lourd, c'est pas. Mais... Si, hein, on peut aussi. Hein. Par contre, c'est normal que ma santé ne remonte pas là. Elle est censée remonter toute seule. Parce qu'en fait, il y a un plafond limite. Parce qu'en fait, je me suis fait douillette. Ah non, c'est un troupeau. C'est un troupeau de mulos. Et moi je veux pas. Okay. Non, parce que s'il y a que ça, moi je suis trop lourd. Hein. Je mange une pomme, je mange des trucs. Quoi. De la vachette. Voilà, vite, un monstre. Attends, mais il y a deux sites. On a un des deux que j'ai pas ping, je crois. Il y en a un 600 mètres, je le vois déjà. Si, il doit être ping l'autre aussi, puisque je le vois pas et il est tagué comme un site naturel. Regardez la nature combattre pour son alimentation. Voilà. C'est moi la nature qui combat pour mon alimentation. Voyez bien tout ça avant de le mettre dans votre sac. Ouh, 40 XP qui se balade là. Boum. Ici. Ici, 40 XP là. Ouais.
yeux, ma salope. C'est bon ça. Allez. On y est presque, hein. 550 mètres. C'est de l'eau. De l'eau et du benzène. Allez. Oh là là, et de l'XP qui se bat là-bas là. Attends, on va lui mettre une cartouche d'XP pour qu'il aide donc, en confort. Tu viens pas? Viens. 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 Tu te dépêches ou merde? Ah c'est bon, elle arrive. Attends, elle va finir. Pio, pio. Ah mais elle se retire. Oh le niveau. Oh elle est tellement bien cette planète hein. Elle est formidable. Alors, je reconnais que les liscages pour les gens qui aiment pas les araignées, ça doit être une épreuve. Par contre, pour les autres comme moi qui n'ont un peu rien à foutre, que du bonheur. Super planète. Hein. Je vais nous cuisiner des trucs, vous allez voir, ça va être incroyable. Hop là. Et ça, j'étais un peu bleu. Ouais, ouais, c'est juste des blessures qui vivent leur vie. Ça m'intéresse pas. Mais il y en a une de niveau 10 là quand même. Hein. Bon, c'est où mon truc? C'est où? C'est là, 250 mètres. De l'eau et de l'uranium. Un peu de tout. Ah, ah non, c'est du benzène. Non, c'est un dépôt dur. Ah, cailloux rouges. Ok, il y a un truc avec des cailloux rouges. Cailloux rouges. Waouh. Alors c'est parti pour un gros combat. Hein. Hein ? Moi celui qui m'intéresse il est plus là. Ah là, le level 10. J'ai pris un coup de douze, hein. On voyage encore. Pouf. Il s'est passé des choses. Bon, c'était pas les bestioles les plus dangereuses du jeu, mais bon. L'autre, il m'a tapé, j'ai regardé ma jauge de vie, j'ai un peu rigolé quand même. La flemme à coup de 12. Oh, j'économise pas mes munitions, c'est pas bien. Vraiment, je joue n'importe comment, c'est insupportable. Là-bas, tout est scan, tout est ping, tout est identifié. Hein. Oui, oui, on est très bon. C'est à combien ça? C'est... Oh, 780 mètres, toi. Bon. Allons-y. Le caillou rouge, élément géologique inexploré. Scanner le lieu pour. Ah, scanner le lieu. Ça a l'air d'être là-bas. Élément géologique. On a une flotte rouge corrompue. Ok. Obscure de Satan. On a l'enfer qui s'est installé sur place, quoi. Là. Je peux pas scanner ça? Si, je l'ai scanné. Ok, d'accord. Et il faut que je trouve le deuxième morceau qui va bien avec. Et, le deuxième morceau, il est là-bas. Est-ce que je voyagerai pas jusqu'au top survivaliste? Bonjour monsieur. À l'aide! Pitié!
Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Déjà, t'as pas de casque. Oh, ma laide. Pitié, aidez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois rejoindre mon vaisseau. Oui. Mais j'ai besoin d'aide. Bah, ok. On s'est fait attaquer par des prédateurs locaux. J'ai réussi à me protéger là-dedans, mais j'ai plus d'issue. Ils sont trop nombreux. Ils vont me mettre en pièces si je tente ma chance en solo. Mais vous avez l'air capable de m'aider. Ouais. Un sauvetage, ça vous dit? Allez. Alors allons-y. Mon vaisseau n'est pas très loin d'ici. Je l'indique sur votre scanner et on pourra se lancer. Ça va être à l'autre bout du monde. Allez hop. Elle là. Mission active, c'est bon? Ça ne me dit pas que c'est là-bas. Je sais pas, il a pas voulu. Pourquoi moi je voulais scanner ce machin hein. Hop là. Voilà. Colonie de microbes sentients. Ah, fais voir, ça raconte des choses. Des vrilles filtrent l'air et le sol à la recherche de nutriments et transmettent des informations sensorielles à la colonie microbienne. Oh. Une peste consciente. Cool. Trop content, ma gueule. Cool. C'était quoi le... la quête du gadget. Où est-ce qu'on récupère les quêtes missions? C'est pas le doute que je... C'est pas une activité non plus, hein. Si, évacuer le survivaliste. Je crois que c'est ça. Ok, c'est dans cette direction. Ça me va. Très, très bien. Let's go. On y va, on voyage. Ah, c'est déjà mort? Moi je pensais qu'elle pionçait. Hein. Bon, on va pioncer longtemps. Hein. Un autre repère naturel. Okay. Ok. Flore, on est toujours pas joli hein. On va passer gentiment et poliment au milieu, on va ramener le monsieur chez lui. Je sens que je suis pas en train de choisir le chemin le plus simple. Attends, 1400 mètres? J'ai pas essayé pour ça, mon enculé. Mais j'ai pas essayé pour ça, mon salaud. Arrêtez. Ah, faut que je l'évacue à cette structure. Ouais, ça se fait, hein. Ouais, ça se fait. Faut aller faire ce morceau là qui est solo cul là-bas. C'est ça. Hein, si je... c'est direct... enfin, ça va être légèrement à droite pour moi. Il faut mieux que j'aille là. Hein. J'aurais plus vite fait de le déposer, de boucler cette quête et potentiellement de lancer l'épisode suivant. Bah oui. Rendez-vous compte, on aura réussi à faire une mission. Ouais. Hop là. Sinon, où ça va? Donc mon jetpack se recharge.
truc, c'est que... aller par là, c'est un peu finir le jeu. Hein. Alors qu'aller par là, c'est continuer le jeu. Ouais, est-ce qu'on va ramener le monsieur hein. Je crois que t'es passé au milieu des ennemis. Hein. Bon, on dira que ça s'est très bien passé, t'inquiète pas. Alors, cratère de cristal, lieu découvert, impeccable. Je crois qu'il y a une bise cache qui traîne là-dedans, non? Ah non, il y a un troupeau de machins là, niveau 15. Oh, le coffre. Qu'est-ce que je fais là, toi? Il n'y a rien à scanner là-dessus, hein, non, ouais, c'est juste on a trouvé le contact de caca avec le monstre, youpi. Et pas si, ouais, c'est ça. Un petit peu dur, hein, bien sûr. Bon. Allons-y. Hop. 400 mètres, on avance. Ça nous apparaît pas toujours comme une évidence. On avance. Ah, ils sont tous morts. Ah, la lubiscage, elle devait venir de là, non? Moi, je sais pas. Eh, c'est gratuit, hein. C'est qu'on a l'obligation de se servir. Contre 300 mètres de merde. C'est ça qu'on nous a pas dit. C'est oui, 300 mètres... 300 mètres de merde. Bon, la descente, c'est pas trop le problème. Là, je te dirais bien, ça va encore. Une petite sauvegarde à un moment donné quand même. Ouais. Ici ça me paraît bien pour taper une petite sauvegarde. Pas un bon spot. Bon, il y avait une marche. Je la vois même pas. Tu oh. La flotte, tu vas la trouver. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux. C'est quoi toi? Un forban. On se débarrasse pas de moi comme ça. Ah, si, oh. Regarde. Oh. Et tu sors. On va se remettre une lumière, okay, sinon on va rien suffit. Voir. Faut que vous commenciez à vendre des trucs. Ouais, je suis d'accord, hein, mais les marchands, ils sont pas légion dans le coin. Hein. Les forbans sont plus nombreux. Les forbans, les villes pirates et les crapules sont un peu plus nombreux dans le coin. Ok, ok, ouais, ouais, ouais. Des bouteilles, des machins. Je prends tout, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Vous dirais-je bien gaming, mais j'aurais peur. Bon, bref, vous avez compris. Vous avez compris l'idée. Gobelet écrasé, impeccable. Vraiment tout ce que je recherchais. Tout le reste, c'est que du vent. Petit panneau solaire.
pas ça. Tac, tac, tac. Y avait rien d'autre, tu sais. Ce machin, là, pistolet à clous. Bon, bah, allons visiter, hein. Allons visiter, hein. C'était quoi un poste d'écoute? J'ai pas vu. J'ai pas vu parce que j'ai plus de café. Ah, du coup, je suis déconcentré là, c'est terrible. Ça tourne mal, hein. Caféine. Caféine, c'est la fin de l'épisode, hein, c'est sûr. On peut pas rester comme ça, quoi. Le plafond. Ah non, ça descend. Il a l'air d'y avoir des méchants là-dedans. Voilà. On va couper la loupiote. Et on va s'apprêter à les agresser. Tout se passe bien. Ça rame un peu. Petite pause hacking, hein, voilà. J'ai validé mon choix un peu vite. J'ai des regrets. Voilà. Ça c'est inutilisable. Ça c'est utilisable. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, on va placer ça. Comme ça on peut placer ça. Parfait, impeccable. Ça c'est plaçable ici. Ça c'est plaçable par là. Mais oui, les problèmes sont finis, hein. Allez. Vous savez vraiment y faire avec les rubis. Ouais, les portes, c'est mon truc, quoi. Elles me disent même que je me porte bien. Je sais pas pourquoi le monsieur, il a explosé, mais il a explosé. Bon. Encore. De l'autre côté du mur. Excusez-moi. Je fouille rien pour l'instant. Pour l'instant, juste les tire comme des canards. Boum. Quelqu'un veut un coup de 12? Ah, c'est grand ici. Oh, attends. Est-ce qu'il y a pas un... Oh! Augmente de façon permanente la charge maximale de 5 kg. On est prêt tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Wow. Où est-ce qu'ils sont passés? Bah là où tu les as laissés. On va peut-être par là. Alors moi j'avance par là. Bonjour, bonjour. Allumez-les. Cible abattue. Très bien. Ceux-là, ils sont calmés. Ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de reprendre un peu de vie. Je suis pas sûr de la nécessité. Mais de toute façon, on est trop lourd, donc autant claquer quelques... Voilà, un petit biscuit au cheddar, par exemple. Hein. Bon, on peut même se faire un petit plaisir, je me prends une petite bière par-dessus. Goût réglisse, hein, vas-y, hein, ça a l'air incroyable. Ouais, vas-y, j'en sais rien, hein, file-moi des trucs. Non, mais des trucs qui rendent des points de vie, à un moment donné, t'as ça ou pas par contre? Genre, 2 points de vie, vas-y. 4 PV, alors ça c'est incroyable. Hein. Petite eau gazeuse là. Ça rend rien du tout. Ça rend rien du tout, bon allez. Oh, on a fait le con, hein. On a assez fait le con comme ça, allez, tout le monde avance. Ça ne paraît pas toujours être une évidence.
Ah, ceci est verrouillé. Intéressant comme choix. Intéressant comme choix initial. Intéressant. Tout est validable ou presque. Non. Ah non, il y a un choix particulier à faire. Ok, hop, et voilà. Voilà, terminé. Bon, je sais pas par où on arrive ici. Je pense qu'il y a personne. Hein. C'est ça le coffre-fort, bien sûr. Pardon, madame. Bonjour les enfants. Oh, je me suis fait... Oh, je vais buter. J'avais pas assez de PV. Ah oh là là, c'est terrible. C'est terrible. C'est rigolo. C'est rigolo, je suis comme un gros sac, je me mets au milieu, je tiens, j'en ai rien à carrer. C'est pas bien, faut pas faire ça. Évacuer le survivaliste. La quête est toujours à jour. Elle est toujours valable. Alors, moi, cette base a l'air du coup un peu grande. Je vous propose qu'on se fasse ça dans un prochain épisode, parce que j'ai plus de café. Je vous remercie, c'était Gnarfank sur Comme d'habitude Gaming. Pour Starfield, et je vous dis à la prochaine. Ciao.